Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Ratchet Lombax pour vous faire une petite vidéo de présentation, d'unboxing, même de Uncharted 3, l'illusion de Drake. D'ailleurs, je regrette vraiment que ce titre ait été traduit en français puisque c'est en train un petit peu de gâcher un petit peu ma jolie boîte de l'édition Explorer. Donc cette édition Explorer, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. Je vais ouvrir délicatement la boîte. En plus d'avoir un superbe long descriptif au dos de la boîte, nous avons aussi le contenu de la boîte qui est affiché sur le côté. Et bien sûr, le contenu de la boîte qui est affiché sur le côté. Donc découvrons ensemble le contenu de cette édition Explorer qui est pleine de surprises, ma foi, puisque c'est pas la même que l'édition américaine. Il y a ici notamment une jolie petite boîte, hein, avec un joli, un joli skin, hein, quand même. Regardez, c'est bien décoré, plutôt bien décoré d'ailleurs. Hein. Donc à l'intérieur de cette boîte, nous avons bien évidemment du gel silica, du papier bulle, et puis bien évidemment le jeu, hein, en édition collector, donc voilà, avec un online pass et tout ce qui va avec maintenant. Ensuite nous avons bien sûr la boucle de ceinture de Drake, donc je ne pense pas que je vais la porter parce que c'est quand même vachement lourd et j'ai pas envie de finir comme un wesh avec le pantalon qui est rabaissé à cause d'un truc qui est aussi lourd que ça. Nous avons ensuite bien sûr un petit artwork en 3D. Ensuite, nous avons bien évidemment droit à du contenu exclusif pour Uncharted 3, donc du contenu téléchargeable. Nous avons aussi droit à l'anneau de Drake, qui joue un rôle important dans l'histoire du jeu. L'anneau de Drake, qui est bien sûr en très bon état, et pas comme l'ancien que j'ai eu au Paris Games Week. Donc du coup, j'en ai deux, pour deux fois plus de plaisir. Ouais, ça j'ai déjà fait la blague. Et enfin, le dernier truc, le truc le plus important qui va faire plaisir à ma petite collection de figurines, parce que j'adore les figurines. Donc voici bien évidemment la statue de Drake qui est sur un socle, et un socle où il n'y a pas le titre traduit en français. J'en suis bien content parce que l'illusion de Drake, ça fait bien péter. Ce socle sur lequel on va poser la figurine de Drake, qui est, ma foi, bien modélisée. Donc voilà pour ce qui était de cette vidéo d'unboxing d'Uncharted 3, l'édition Explorer. Et maintenant, je vais m'amuser avec le petit pistolet qui était fourni avec la figurine et que j'ai oublié de montrer. Et bien sûr, le jeu qui m'attend de pied ferme, comme vous pouvez le voir d'ailleurs.